Bonjour à tous, dans quelques secondes va commencer la lecture de Boule de Suif de Guy de Maupassant. Pour m'encourager, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci à vous. Boule de Suif. Pendant plusieurs jours de suite, des lambeaux d'armée en déroute avaient traversé la ville. Ce n'était point de la troupe, mais des hordes débandées. Les hommes avaient la barbe longue et sale, des uniformes en guenilles, et ils avançaient d'une allure molle. Sans drapeau, sans régiment. Tous semblaient accablés, éreintés, incapables d'une pensée ou d'une résolution, marchant seulement par habitude et tombant de fatigue sitôt qu'ils s'arrêtaient. On voyait surtout des mobilisés, gens pacifiques, rentiers tranquilles, pliant sous le poids du fusil. Des petits moblots alertes, faciles à l'épouvante et prompts à l'enthousiasme, prêts à l'attaque comme à la fuite. Puis, au milieu d'eux, quelques culottes rouges, débris d'une division moulue dans une grande bataille, des artilleurs sombres alignés avec ses fantassins divers et, parfois, le casque brillant d'un dragon aux pieds pesants qui suivait avec peine la marche plus légère des lignards. Des légions de francs-tireurs aux appellations héroïques, les vengeurs de la défaite, les citoyens de la tombe, les partageurs de la mort, passaient à leur tour avec des airs de bandits. Leurs chefs, anciens commerçants en drap ou en graines, ex marchands de suif ou de savon, guerriers de circonstances, nommés officiers pour leurs écus, ou la longueur de leurs moustaches, couverts d'armes, de flanelles et de galons, parlaient d'une voix retentissante, discutaient plans de campagne et prétendaient soutenir seule la France agonisante sur leurs épaules de fanfaron. Mais ils redoutaient parfois leurs propres soldats, gens de sac et de corde souvent braves à outrance, pillards et débauchés. Les Prussiens allaient entrer dans Rouen, disait on. La garde nationale qui, depuis deux mois, faisait des reconnaissances très prudentes dans les bois voisins, fusillant parfois ses propres sentinelles, et se préparant au combat, quand un petit lapin remué sous des broussailles, était rentré dans ses foyers. Ses armes, ses uniformes, tout son attirail meurtrier, dont elle épouvantait naguère les bornes des routes nationales, à trois lieues à la ronde, avait subitement disparu. Les derniers soldats français venaient enfin de traverser la Seine pour gagner pont audemer par saint sevé et Bourrachard. Et, marchant après tous, le général, désespéré, ne pouvant rien tenter avec ses lobes disparates, éperdu lui-même dans la grande débâcle d'un peuple habitué à vaincre et désastreusement battu malgré sa bravoure légendaire, s'en allait à pied. Entre deux officiers d'ordonnance. Puis, un calme profond, une attente épouvantée et silencieuse avait plané sur la cité. Beaucoup de bourgeois bedonnants, émasculés par le commerce, attendaient anxieusement les vainqueurs, tremblant qu'on ne considérât comme une arme leurs broches à rôtir ou leurs grands couteaux de cuisine. La vie semblait arrêtée. Les boutiques étaient closes, la rue muette. Quelquefois, un habitant, intimidé par ce silence, filait rapidement le long des murs. L'angoisse de l'attente faisait désirer la venue de l'ennemi. Dans l'après-midi du jour qui suivit le départ des troupes françaises, quelques hulans, sortis on ne sait d'où, traversèrent la ville avec célérité. Puis, un peu plus tard, une masse noire descendit de la côte Sainte-Catherine, tandis que deux autres flots envahisseurs apparaissaient par les routes de Darnétal et de bois -Guillaume. Les avant gardes des trois corps, juste au même moment, se joignirent sur la place de l'Hôtel de-Ville et, par toutes les rues voisines, l'armée allemande arrivait, déroulant ses bataillons qui faisaient sonner les pavés sous leurs pas durs et rythmés. Des commandements, criés d'une voix inconnue et gutturale, montaient le long des maisons qui semblaient mortes et désertes. Tandis que, derrière les volets fermés, des yeux guettaient ces hommes victorieux, maîtres de la Cité, des fortunes et des vies, de par le droit de la guerre. Les habitants, dans leurs chambres assombries, avaient l'affolement que donnent les cataclysmes. Les grands bouleversements meurtriers de la terre, contre lesquels toute sagesse et toute force sont inutiles. Car la même sensation reparaît chaque fois que l'ordre établi des choses est renversé, que la sécurité n'existe plus, que tout ce que protégeaient les lois des hommes ou celles de la nature se trouve à la merci d'une brutalité inconsciente et féroce le tremblement de terre écrasant sous les maisons croulantes un peuple entier, le fleuve débordé qui roule les paysans noyés avec les cadavres des bœufs et les poutres arrachées aux toits, ou l'armée glorieuse, massacrant ceux qui se défendent, emmenant les autres prisonniers, pillant au nom du sabre et remerciant un dieu au son du canon, sont autant de fléaux effrayants qui déconcertent toute croyance à la justice éternelle, toute la confiance qu'on nous enseigne en la protection du ciel et la raison de l'homme mais à chaque porte des petits détachements frappaient, puis disparaissaient dans les maisons. C'était l'occupation après l'invasion. Le devoir commençait pour les vaincus de se montrer gracieux envers les vainqueurs. Au bout de quelque temps, une fois la première terreur disparue, un calme nouveau s'établit. Dans beaucoup de familles, l'officier prussien mangeait à table. Il était parfois bien élevé, et par politesse plaignait la France, disait sa répugnance en prenant part à cette guerre. On lui était reconnaissant de ce sentiment. Puis on pouvait un jour ou l'autre avoir besoin de sa protection. En le ménageant, on obtiendrait peut-être quelques hommes de moins à nourrir. Et pourquoi blesser quelqu'un dont on dépendait tout à fait Agir ainsi serait moins de la bravoure que de la témérité. Et la témérité n'est plus un défaut des bourgeois de Rouen, comme autant des défenses héroïques où s'illustra leur cité. On se disait enfin raison suprême tirée de l'urbanité française. Qu'il demeurait bien permis d'être poli dans son intérieur, pourvu qu'on ne se montrât pas familier, en public, avec le soldat étranger. Au dehors, on ne se connaissait plus, mais dans la maison, on causait volontiers, et l'Allemand demeurait plus longtemps, chaque soir, à se chauffer au foyer commun. La ville même reprenait peu à peu de son aspect ordinaire. Les Français ne sortaient guère encore, mais les soldats prussiens grouillaient dans les rues. Du reste, les officiers de hussards bleus, qui traînaient avec arrogance leurs grands outils de mort sur le pavé, ne semblaient pas avoir pour les simples citoyens énormément plus de mépris que les officiers de chasseurs, qui l'année d'avant buvaient au même café. Il y avait cependant quelque chose dans l'air, quelque chose de subtil et d'inconnu, une atmosphère étrangère intolérable, comme une odeur répandue, l'odeur de l'invasion. Elle emplissait les demeures et les places publiques, changeait le goût des aliments, Donnait l'impression d'être en voyage, très loin, chez des tribus barbares et dangereuses. Les vainqueurs exigeaient de l'argent, beaucoup d'argent. Les habitants payaient toujours, ils étaient riches d'ailleurs. Mais plus un négociant normand devient opulent, et plus il souffre de tout sacrifice, de toute parcelle de sa fortune qu'il voit passer aux mains d'un autre. Cependant, à deux ou trois lieues sous la ville, en suivant le cours de la rivière, vers Croisset, Diebdal ou Biessard, les mariniers et les pêcheurs ramenaient souvent du fond de l'eau quelques cadavres d'Allemands gonflés dans son uniforme, tués d'un coup de couteau ou de savate, la tête écrasée par une pierre ou jetés à l'eau d'une poussée du haut d'un pont. Les vases du fleuve ensevelissaient ces vengeances obscures, sauvages et légitimes, héroïsme inconnu, attaques muettes, plus périlleuses que les batailles au grand jour et sans le retentissement de la gloire. Car la haine de l'étranger arme toujours quelques intrépides, prêts à mourir pour une idée. Enfin, comme les envahisseurs, bien qu'assujettissant la ville à leurs inflexibles disciplines, n'avaient accompli aucune des horreurs que la renommée leur faisait commettre tout le long de leur marche triomphale, on s'enhardit, et le besoin du négoce travailla de nouveau le cœur des commerçants du pays. Quelques-uns avaient de gros intérêts engagés au Havre, que l'armée française occupait. Et ils voulurent tenter de gagner ce port en allant par terre à Dieppe, où ils s'embarqueraient. On employa l'influence des officiers allemands, dont on avait fait la connaissance, et une autorisation de départ fut obtenue du général en chef. Donc, une grande diligence à quatre chevaux ayant été retenue pour ce voyage, et dix personnes s'étant fait inscrire chez le voiturier, on résolut de partir un mardi matin, avant le jour, pour éviter tout rassemblement. Depuis quelque temps déjà, la gelée avait durci la terre, et le lundi, vers trois heures, de gros nuages noirs venant du nord apportèrent la neige qui tomba sans interruption pendant toute la soirée et toute la nuit. À quatre heures et demie du matin, les voyageurs se réunirent dans la cour de l'hôtel de Normandie, où l'on devait monter en voiture. Ils étaient encore pleins de sommeil et grelottaient de froid, sous leur couverture. On se voyait mal dans l'obscurité, et l'entassement des lourds vêtements d'hiver faisait ressembler tous ces corps à des curés obèses avec leurs longues soutanes. Mais deux hommes se reconnurent, un troisième les aborda. Ils causèrent. J'emmène ma femme, dit l'un. J'en fais autant. Et moi aussi. Le premier ajouta Nous ne reviendrons pas à Rouen, et si les Prussiens approchent du Havre, nous gagnerons l'Angleterre. Tous avaient les mêmes projets, étant de complexion semblable. Cependant on n'attelait pas la voiture. Une petite lanterne que portait un valet d'écurie sortait de temps à autre d'une porte obscure pour disparaître immédiatement dans une autre. Des pieds de chevaux frappaient la terre, amortis par le fumier des litières, et une voix d'homme parlant aux bêtes et jurant s'entendait au fond du bâtiment. Un léger murmure de grelots annonça qu'on maniait les harnais. Ce murmure devint bientôt un frémissement clair et continu. Rythmé par le mouvement de l'animal, s'arrêtant parfois, puis reprenant dans une brusque secousse qu'accompagnait le bruit mat d'un sabot ferré battant le sol. La porte subitement se ferma. Tout bruit cessa. Les bourgeois gelés s'étaient tus. Ils demeuraient immobiles et roidis. Un rideau de flocons blancs ininterrompus miroitait sans cesse en descendant vers la terre. Il effaçait les formes, poudrait les choses d'une mousse de glace et l'on n'entendait plus, dans le grand silence de la ville calme et ensevelie sous l'hiver, que ce froissement vague, innombrable et flottant, de la neige qui tombe, plutôt sensation que bruit, entremêlement d'atomes légers qui semblaient emplir l'espace, couvrir le monde. L'homme reparut avec sa lanterne, tirant au bout d'une corne un cheval triste qui ne venait pas volontiers. Il le plaça contre le timon, attacha les traits, tourna longtemps autour pour assurer les harnais car il ne pouvait se servir que d'une main, l'autre portant sa lumière. Comme il allait chercher la seconde bête, il remarqua tous ces voyageurs immobiles, déjà blancs de neige, et leur dit. Pourquoi ne montez vous pas dans la voiture, vous serez à l'abri au moins? Ils n'y avaient pas songé, sans doute, et ils se précipitèrent. Les trois hommes installèrent leurs femmes dans le fond, montèrent ensuite, puis les autres formes indécises et voilées prirent à leur tour les dernières places sans échanger une parole. Le plancher était couvert de paille, où les pieds s'enfoncèrent. Les dames du fond, ayant apporté de petites chaufferettes en cuivre avec un charbon chimique, allumèrent ces appareils et pendant quelque temps, à voix basse, elles en énumérèrent les avantages, se répétant des choses qu'elles savaient déjà depuis longtemps. Enfin, la diligence étant attelée avec six chevaux au lieu de quatre à cause du tirage plus pénible, une voix du dehors demanda. Tout le monde est il monté? Une voix du dedans répondit. Oui. On partit. La voiture avançait lentement, lentement, à tout petit pas. Les roues s'enfonçaient dans la neige. Le coffre entier geignait avec des craquements sourds. Les bêtes glissaient, soufflaient, fumaient et le fouet gigantesque du cocher claquait sans repos, voltigeait de tous les côtés, se nouant et se déroulant comme un serpent mince, et cinglant brusquement quelques croupes rebondies qui se tendaient alors sous un effort plus violent. Mais le jour imperceptiblement grandissait. Ces flocons légers qu'un voyageur, rouanné pur sang, avait comparés à une pluie de coton ne tombaient plus. Une lueur sale filtrait à travers de gros nuages obscurs et lourds qui rendaient plus éclatante la blancheur de la campagne où apparaissait tantôt une ligne de grands arbres vêtus de givre, tantôt une chaumière avec un capuchon de neige. Dans la voiture, on se regardait curieusement à la triste clarté de cette aurore. Tout au fond, aux meilleures places, sommeillaient en face l'un de l'autre Monsieur et Madame L'Oiseau, des marchands de vin en gros de la rue Grand Pont. Ancien commis d'un patron ruiné dans les affaires, l'oiseau avait acheté le fonds et fait fortune. Il vendait à très bon marché de très mauvais vins aux petits débitants des campagnes et passait parmi ses connaissances et ses amis pour un fripon madré, un vrai Normand plein de ruse et de jovialité. Sa réputation de filou était si bien établie qu'un soir à la préfecture, M. Tournel, auteur de fables et de chansons, esprit mordant et fin, une gloire locale ayant proposé aux dames qu'il voyait un peu somnolentes de faire une partie de l'oiseau-vol le mot lui-même vola à travers les salons du préfet puis gagnant ceux de la ville avait fait rire pendant un mois toutes les mâchoires de la province l'oiseau était en outre célèbre pour ses farces de toute nature ses plaisanteries bonnes ou mauvaises et personne ne pouvait parler de lui sans ajouter immédiatement il est impayable ce l'oiseau de taille exiguë, il présentait un ventre en ballon surmonté d'une face rougeaude entre deux favoris grisonnants. Sa femme, grande, forte, résolue, avec la voix haute et la décision rapide, était l'ordre et l'arithmétique de la maison de commerce qu'il animait par son activité joyeuse. À côté d'eux se tenait, plus digne, appartenant à une caste supérieure, Monsieur Carré-Lamadon, homme considérable, posé dans les cotons, propriétaire de trois filatures, officier de la Légion d'honneur et membre du Conseil général. Il était resté tout le temps de l'Empire chef de l'opposition bienveillante, uniquement pour se faire payer plus cher son ralliement à la cause qu'il combattait avec des armes courtoises, selon sa propre expression. Madame Carré-Lamadon, beaucoup plus jeune que son mari, demeurait la consolation des officiers de bonne famille envoyés à Rouen en garnison. Elle faisait vis-à-vis -vis de son époux toute petite, toute mignonne, toute jolie, pelotonnée dans ses fourrures, et regardait d'un œil navré l'intérieur lamentable de la voiture. Ses voisins, le comte et la comtesse Hubert de Bréville, portaient un des noms les plus anciens et les plus nobles de Normandie. Le comte, vieux gentilhomme de grande tournure, s'efforçait d'accentuer, par les artifices de sa toilette, sa ressemblance naturelle avec le roi Henri IV qui, suivant une légende glorieuse pour la famille, avait rendu grosse une dame de Bréville dont le mari, pour ce fait, était devenu comte et gouverneur de province. Collègue de monsieur Carré Lamadon, au conseil général, le comte Hubert représentait le parti orléaniste dans le département. L'histoire de son mariage avec la fille d'un petit armateur de Nantes était toujours demeurée mystérieuse. Mais comme la comtesse avait grand air, recevait mieux que personne, passait même pour avoir été aimée par un des fils de Louis Philippe, toute la noblesse lui faisait fête, et son salon demeurait le premier du pays, le seul où se conserva la vieille galanterie et dont l'entrée fut difficile. La fortune des Bréville, tout en bien fond, atteignait, disait on, cinq cent mille livres de revenus. Ces six personnes formaient dans le fond de la voiture le côté de la société rentée, sereine et forte, des honnêtes gens autorisés qui ont de la religion et des principes. Par un hasard étrange, toutes les femmes se trouvaient sur le même banc. Et la comtesse avait encore pour voisine deux bonnes sœurs qui égrénaient de longs chapelets en marmottant des patères et des avés. L'une était vieille avec une face défoncée par la petite vérole, comme si elle eût reçu à bout portant une bordée de mitraille en pleine figure. L'autre, très chétive, avait une tête jolie. Et maladive, sur une poitrine de phthisique rongée par cette foi dévorante qui fait les martyrs et les illuminés. En face des deux religieuses, un homme et une femme attiraient les regards de tous. L'homme, bien connu, était cornudé le démoque, la terreur des gens respectables. Depuis vingt ans, il trempait sa grande barbe rousse dans les bocs de tous les cafés démocratiques. Il avait mangé avec les frères et amis. Une assez belle fortune qu'il tenait de son père, ancien confiseur, et il attendait impatiemment la République pour obtenir enfin la place méritée par tant de consommation révolutionnaire. Au 4 septembre, par suite d'une farce peut-être, il s'était cru nommé préfet. Mais quand il voulut entrer en fonction, les garçons de bureau, demeurés seuls maîtres de la place, refusèrent de le reconnaître, ce qui le contraignit à la retraite. Fort bon garçon, du reste, inoffensif et serviable, il s'était occupé avec une ardeur incomparable d'organiser la défense. Il avait fait creuser des trous dans les plaines, coucher tous les jeunes arbres des forêts voisines, semer des pièges sur toutes les routes, et, à l'approche de l'ennemi, satisfait de ses préparatifs, il s'était vivement replié vers la ville. Il pensait maintenant se rendre plus utile au Havre, où de nouveaux retranchements allaient être nécessaires. La femme, une de celles appelées galantes, était célèbre par son embonpoint précoce qui lui avait valu le surnom de boule de suif. Petite, ronde de partout, grâce à l'art, avec des doigts bouffis, étranglés aux phalanges, pareils à des chapelets de courtes saucisses, avec une peau luisante et tendue, une gorge énorme qui saillait sous sa robe, elle restait cependant appétissante et courue, tant sa fraîcheur faisait plaisir à voir. Sa figure était une pomme rouge, un bouton de pivoine prêt à fleurir, et là-dedans s'ouvraient, en haut, deux grands yeux noirs magnifiques, ombragés de grands cils épais qui mettaient une ombre dedans. En bas, une bouche charmante, étroite, humide pour le baiser, meublée de quenottes luisantes et microscopiques. Elle était de plus, disait-on, pleine de qualités inappréciables. Aussitôt qu'elle fut reconnue, des chuchotements coururent parmi les femmes honnêtes, et les mots de prostituée, de honte publique furent chuchotés si haut qu'elle leva la tête. Alors elle promena sur ses voisins un regard tellement provoquant et hardi qu'un grand silence aussitôt régna, et tout le monde baissa les yeux à l'exception de Loiseau, qui la guettait d'un air émoustillé. Mais bientôt la conversation reprit entre les trois dames que la présence de cette fille avait rendues subitement amies, presque intimes. Elles devaient faire, leur semble-t-il, comme un faisceau de leur dignité d'épouse en face de cette vendue sans-vergogne, car l'amour légal le prend toujours de haut avec son libre confrère. Les trois hommes aussi, rapprochés par un instinct de conservateur à l'aspect de cornudé, parlaient argent d'un certain ton dédaigneux pour les pauvres. Le comte hubert disait les dégâts que lui avaient fait subir les prussiens les pertes qui résulteraient du bétail volé et des récoltes perdues avec une assurance de grand seigneur dix fois millionnaire que ces ravages gêneraient à peine une année m carrel à Madon, fort éprouvé dans l'industrie cotonnière avait eu soin d'envoyer six cent mille francs en angleterre une poire pour la soif qu'il se ménageait à toute occasion Quant à l'oiseau, il s'était arrangé pour vendre à l'intendance française tous les vins communs qui lui restaient en cave, de sorte que l'État lui devait une somme formidable qu'il comptait bien toucher au Havre. Et tous les trois se jetaient des coups d'œil rapides et amicaux. Bien que de conditions différentes, ils se sentaient frères par l'argent, de la grande franc-maçonnerie de ceux qui possèdent, qui font sonner de l'or en mettant la main dans la poche de leur culotte. La voiture allait si lentement qu'à dix heures du matin on n'avait pas fait quatre lieues. Les hommes descendirent trois fois pour monter des côtes à pied. On commençait à s'inquiéter car on devait déjeuner à tôtes. Et l'on désespérait maintenant d'y parvenir avant la nuit. Chacun guettait pour apercevoir un cabaret sur la route, quand la diligence sombra dans un amoncellement de neige et il fallut deux heures pour la dégager. L'appétit grandissant troublait les esprits. Et aucune gargote, aucun marchand de vin ne se montrait, l'approche des Prussiens et le passage des troupes françaises affamées ayant effrayé toutes les industries. Les messieurs coururent aux provisions dans les fermes au bord du chemin, mais ils n'y trouvèrent pas même de pain, car le paysan défiant cachait ses réserves dans la crainte d'être pillé par les soldats qui, n'ayant rien à se mettre sous la dent, prenaient par force ce qu'ils découvraient. Vers une heure de l'après-midi, Loiseau annonça que décidément il se sentait un rude creux dans l'estomac. Tout le monde souffrait comme lui depuis longtemps, et le violent besoin de manger, augmentant toujours, avait tué les conversations. De temps en temps quelqu'un bâillait un autre presque aussitôt l'imitait et chacun, à tour de rôle suivant son caractère, son savoir vivre et sa position sociale, ouvrait la bouche avec fracas ou modestement, en portant vite sa main devant le trou béant D'où sortait une vapeur. Boule de Suif, à plusieurs reprises, se pencha comme si elle cherchait quelque chose sous ses jupons. Elle hésitait une seconde, regardait ses voisins, puis se redressait tranquillement. Les figures étaient pâles et crispées. L'oiseau affirma qu'il payerait mille francs à Jean Bonneau. Sa femme fit un geste comme pour protester, puis elle se calma. Elle souffrait toujours en entendant parler d'argent gaspillé et ne comprenait même pas les plaisanteries sur ce sujet. Le fait est que je ne me sens pas bien, dit le comte, comment n'ai je pas songé à apporter des provisions? Chacun se faisait le même reproche. Cependant Cornudet avait une gourde pleine de rhum il en offrit. On refusa froidement. Loiseau seul en accepta deux gouttes, et lorsqu'il rendit la gourde il remercia. C'est bon, tout de même, ça réchauffe, et ça trompe l'appétit. L'alcool le mit en belle humeur et il proposa de faire comme sur le petit navire de la chanson de manger le plus gras des voyageurs. Cette allusion indirecte à boule de suif choqua les gens bien élevés. On ne répondit pas. Cornudet seul eut un sourire. Les deux bonnes sœurs avaient cessé de marmotter leurs rosaires et les mains enfoncées dans leurs grandes manches, elles se tenaient immobiles, baissant obstinément les yeux. Offrant sans doute au ciel la souffrance qu'il leur envoyait. Enfin, à trois heures, comme on se trouvait au milieu d'une plaine interminable, sans un seul village en vue, Boule de Suif, se baissant vivement, retira de sous la banquette un large panier couvert d'une serviette blanche. Elle en sortit d'abord une petite assiette de faïence, une fine timbale en argent, puis une vaste terrine dans laquelle deux poulets entiers et tout découpés avaient confit sous leur gelée et l'on apercevait encore dans le panier d'autres bonnes choses enveloppées. Des pâtés, des fruits, des friandises, les provisions préparées pour un voyage de trois jours, afin de ne point toucher à la cuisine des auberges. Quatre goulots de bouteilles passaient entre les paquets de nourriture. Elle prit une aile de poulet et délicatement se mit à la manger avec un de ces petits pains qu'on appelle Régence en Normandie. Tous les regards étaient tendus vers elle. Puis l'odeur se répandait, élargissant les narines, faisant venir aux bouches une salive abondante avec une contraction douloureuse de la mâchoire sous les oreilles. Le mépris des dames pour cette fille devenait féroce, comme une envie de la tuer ou de la jeter en bas de la voiture, dans la neige, elle, sa timbale, son panier et ses provisions. Mais l'oiseau dévorait des yeux la terrine de poulet. Il dit. À la bonne heure, madame a eu plus de précautions que nous. Il y a des personnes qui savent toujours penser à tout. Elle leva la tête vers lui. Si vous en désirez, monsieur, c'est dur de jeûner depuis le matin. Il salua. Ma foi, franchement, je ne refuse pas. Je n'en peux plus. À la guerre comme à la guerre, n'est-ce pas, madame? Et, jetant un regard circulaire, il ajouta. Dans des moments comme celui-ci, on est bien aise de trouver des gens qui vous obligent. Il avait un journal qu'il étendit pour ne point tacher son pantalon. Et sur la pointe d'un couteau toujours logé dans sa poche, il enleva une cuisse toute vernie de gelée, la dépeça des dents, puis la mâcha avec une satisfaction si évidente qu'il y eut dans la voiture un grand soupir de détresse. Mais Boule de Suif, d'une voix humble et douce, proposa aux bonnes sœurs de partager sa collation. Elles acceptèrent toutes les deux instantanément et, sans lever les yeux, se mirent à manger très vite. Après avoir balbutié des remerciements, Cornudet ne refusa pas non plus les offres de sa voisine, et l'on forma avec les religieuses une sorte de table en développant des journaux sur les genoux. Les bouches s'ouvraient et se fermaient sans cesse, avalaient, mastiquaient, engloutissaient férocement. L'oiseau, dans son coin, travaillait dur, et à voix basse, il engageait sa femme à l'imiter. Elle résista longtemps, puis après une crispation qui lui parcourut les entrailles, elle céda. Alors son mari, arrondissant sa phrase, demanda à leur charmante compagne si elle lui permettait d'offrir un petit morceau à madame Loiseau. Elle dit. Mais oui, certainement, monsieur, avec un sourire aimable, et tendit la terrine. Un embarras se produisit lorsqu'on déboucha la première bouteille de Bordeaux. Il n'y avait qu'une timbale. On se la passa après l'avoir essuyée. Cornudet seul, par galanterie sans doute, Posa ses lèvres à la place humide encore des lèvres de sa voisine. Alors, entourés de gens qui mangeaient, suffoqués par les émanations des nourritures, le comte et la comtesse de Bréville, ainsi que M. et Mme Carré Lamadon, souffrirent ce supplice odieux qui a gardé le nom de Tantal. Tout d'un coup, la jeune femme du manufacturier poussa un soupir qui fit retourner les têtes. Elle était aussi blanche que la neige du dehors. Ses yeux se fermèrent, son front tomba, elle avait perdu connaissance. Son mari, affolé, implorait le secours de tout le monde. Chacun perdait l'esprit, quand la plus âgée des bonnes sœurs, soutenant la tête de la malade, glissa entre ses lèvres la timbale de boule de suif et lui fit avaler quelques gouttes de vin. La jolie dame remua, ouvrit les yeux, sourit et déclara d'une voix mourante qu'elle se sentait fort bien maintenant. Mais, afin que cela ne se renouvelât plus, la religieuse la contraignit à boire un plein verre de Bordeaux, et elle ajouta C'est la fin, pas autre chose. Alors, boule de suif, rougissante et embarrassée, balbutia en regardant les quatre voyageurs restés à jeun. Mon Dieu, si j'osais offrir à ces messieurs et à ces dames. Elle se tut, craignant un outrage. L'oiseau prit la parole Hé, eh, parbleu dans des cas pareils, tout le monde est frère et doit céder. Allons, mesdames, pas de cérémonie, acceptez, que diable Savons-nous si nous trouverons seulement une maison où passer la nuit Du train où nous allons, nous ne serons pas à Tôte avant demain midi. On hésitait, personne n'osant assumer la responsabilité du oui. Mais le comte trancha la question. Il se tourna vers la grosse fille intimidée et, prenant son grand air de gentilhomme, il lui dit nous acceptons avec reconnaissance, madame. Le premier pas seul coûtait. Une fois le rubicon passé, on s'en donna carrément. Le panier fut vidé. Il contenait encore un pâté de foie gras, un pâté de mauviette, un morceau de langue fumée, des poires de crassane, un pavé de pont-l'évêque, des petits fours et une tasse pleine de cornichons et d'oignons au vinaigre. Boule de suif comme toutes les femmes adorant les crudités. On ne pouvait manger les provisions de cette fille sans lui parler. Donc, on causa, avec réserve d'abord puis, comme elle se tenait fort bien, on s'abandonna davantage. Mesdames de Bréville et Carré Lamadon, qui avaient un grand savoir vivre, se firent gracieuses avec délicatesse. La comtesse surtout montra cette condescendance aimable des très nobles dames qu'aucun contact ne peut salir, et fut charmante. Mais la forte Madame Loiseau, qui avait une âme de gendarme, resta revêche, parlant peu et mangeant beaucoup. On s'entretint de la guerre, naturellement. On raconta des faits horribles des Prussiens, des traits de bravoure des Français, et tous ces gens qui fuyaient rendirent hommage au courage des autres. Les histoires personnelles commencèrent bientôt, et Boule de Suif raconta, avec une émotion vraie, avec cette chaleur de parole qu'ont parfois les filles pour exprimer leur emportement naturel, comment elle avait quitté Rouen. J'ai cru d'abord que je pourrais rester, disait elle j'avais ma maison pleine de provisions, et j'aimais mieux nourrir quelques soldats que m'expatrier je ne sais où. Mais quand je les ai vus, ces Prussiens, ce fut plus fort que moi. Ils m'ont tourné le sang de colère, et j'ai pleuré de honte toute la journée. Oh. Si j'étais un homme. Allez. Je les regardais de ma fenêtre ces gros porcs avec leurs casques à pointe, et ma bonne me tenait les mains pour m'empêcher de leur jeter mon mobilier sur le dos. Puis il en est venu pour loger chez moi. Alors j'ai sauté à la gorge du premier. Ils ne sont pas plus difficiles à étrangler que d'autres. Et je l'aurais terminé, celui-là, si l'on ne m'avait pas tiré par les cheveux. Il a fallu me cacher après ça. Enfin, quand j'ai trouvé une occasion, je suis partie, et me voici. On la félicita beaucoup. Elle grandissait dans l'estime de ses compagnons, qui ne s'étaient pas montrés si crânes, et Cornudet, en l'écoutant, gardait un sourire approbateur et bienveillant d'apôtre. De même, un prêtre entend un dévot louer Dieu, car les démocrates à longue barbe ont le monopole du patriotisme comme les hommes en soutane ont celui de la religion. Il parla à son tour d'un ton doctrinaire, avec l'emphase apprise dans les proclamations qu'on collait chaque jour au mur. Et il finit par un morceau d'éloquence où il étriait magistralement cette crapule de bindinguet. Mais boule de suif aussitôt se fâcha, car elle était bonapartiste. Elle devenait plus rouge qu'une guigne, et bégayant d'indignation J'aurais bien voulu vous voir à sa place, vous autres. Ça aurait été du propre, ah oui C'est vous qui l'avez trahi, cet homme. On n'aurait plus qu'à quitter la France si l'on était gouverné par des polissons comme vous. Cornudet, impassible, gardait un sourire dédaigneux et supérieur, mais on sentait que les gros mots allaient arriver quand le comte s'interposa et calma, non sans peine, la fille exaspérée, en proclamant avec autorité que toutes les opinions sincères étaient respectables. Cependant, la comtesse et la manufacturière, qui avaient dans l'âme la haine irraisonnée des gens, comme il faut pour la République, et cette instinctive tendresse que nourrissent toutes les femmes pour les gouvernements à panache et despotiques, se sentait malgré elle attirée vers cette prostituée pleine de dignité dont les sentiments ressemblaient si fort aux leurs. Le panier était vide. À dix on l'avait tari sans peine, en regrettant qu'il ne fût pas plus grand. La conversation continua quelque temps, un peu refroidie néanmoins, depuis qu'on avait fini de manger. La nuit tombait, L'obscurité peu à peu devint profonde, et le froid, plus sensible pendant les digestions, faisait frissonner Boule de Suif, malgré sa graisse. Alors madame de Bréville lui proposa sa chaufferette dont le charbon, depuis le matin, avait été plusieurs fois renouvelé, et l'autre accepta tout de suite, car elle se sentait les pieds gelés. Mesdames, Carré, Lamadon et Loiseau donnèrent les leurs religieuses. Le cocher avait allumé ses lanternes. Elles éclairaient d'une lueur vive un nuage de buée au-dessus de la croupe en sueur des timoniers et des deux côtés de la route la neige qui semblait se dérouler sous le reflet mobile des lumières. On ne distinguait plus rien dans la voiture, mais tout à coup un mouvement se fit entre boule de suif et cornudée, et l'oiseau dont l'œil fouillait l'ombre crut voir l'homme à la grande barbe s'écarter vivement comme s'il eût reçu quelque bon coup lancé sans bruit. Des petits points de feu parurent en avant sur la route. C'était tôt. On avait marché onze heures, ce qui, avec les deux heures de repos laissées en quatre fois aux chevaux pour manger l'avoine et souffler, faisait quatorze. On entra dans le bourg et devant l'hôtel du commerce, on s'arrêta. La portière s'ouvrit. Un bruit bien connu fit tressaillir tous les voyageurs. C'étaient les heurts d'un fourreau de sabre sur le sol. Aussitôt, la voix d'un Allemand cria quelque chose. Bien que la diligence fût immobile, personne ne descendait, comme si l'on se fût attendu à être massacré à la sortie. Alors le conducteur apparut, tenant à la main une de ses lanternes qui éclaira subitement jusqu'au fond de la voiture les deux rangs de têtes effarées, dont les bouches étaient ouvertes et les yeux écarquillés de surprise et d'épouvante. À côté du cocher se tenait en pleine lumière un officier allemand, un grand jeune homme excessivement mince et blond, serré dans son uniforme comme une fille en son corset et portant sur le côté sa casquette plate et cirée qui le faisait ressembler au chasseur d'un hôtel anglais sa moustache démesurée à longs poils droits sa main sissant indéfiniment de chaque côté et terminée par un seul fil blond si mince qu'on n'en apercevait pas la fin semblait peser sur les coins de sa bouche et tirant la joue imprimait aux lèvres un pli tombant il invita en français d'Alsacien les voyageurs à sortir, disant d'un ton raide fous les fous, descendent, messieurs et dames !» Les deux bonnes sœurs obéirent les premières avec une docilité de sainte fille habituée à toutes les soumissions. Le comte et la comtesse parurent ensuite, suivis du manufacturier et de sa femme, puis de l'oiseau poussant devant lui sa grande moitié. Celui-ci, en mettant pied à terre, dit à l'officier Bonjour, monsieur par un sentiment de prudence bien plus que de politesse. L'autre, insolent comme les gens tout-puissants, le regarda sans répondre. Boule de suif et cornudée, bien que près de la portière descendirent les derniers, graves et hautains devant l'ennemi. La grosse fille tâchait de se dominer et d'être calme. Le démoque, tourmenté d'une main tragique et un peu tremblante, sa longue barbe roussâtre. Il voulait garder de la dignité, Comprenant qu'en ces rencontres-là, chacun représente un peu son pays, et pareillement révoltée par la souplesse de leurs compagnons, elle tâchait de se montrer plus fière que ses voisines, les femmes honnêtes, tandis que lui, sentant bien qu'il devait l'exemple, continuait en toute son attitude sa mission de résistance, commençait au défoncement des routes. On entra dans la vaste cuisine de l'auberge, et l'Allemand, s'étant en fait présenter l'autorisation de départ signée par le général en chef, et où étaient mentionnés les noms, le signalement et la profession de chaque voyageur, examina longuement tout ce monde, comparant les personnes aux renseignements écrits. Puis il dit brusquement C'est bien Et il disparut. Alors on respira. On avait faim encore. Le souper fut commandé. Une demi-heure était nécessaire pour l'apprêter. Et pendant que deux servantes avaient l'air de s'en occuper, on alla visiter les chambres. Elles se trouvaient toutes dans un long couloir que terminait une porte vitrée marquée d'un numéro parlant. Enfin, on allait se mettre à table, quand le patron de l'auberge parut lui-même. C'était un ancien marchand de chevaux, un gros homme asthmatique qui avait toujours des sifflements, des enrouements, des chants de glaire dans le larynx. Son père lui avait transmis le nom de Follenvie. Il demanda Mademoiselle Elisabeth Rousset. Boule de Suif tressaillit, se retourna. C'est moi. Mademoiselle, l'officier Prussien veut vous parler immédiatement. À moi? Oui. Vous êtes bien mademoiselle Elisabeth Rousset. Elle se troubla, réfléchit une seconde, puis déclara carrément. C'est possible, mais je n'irai pas. Un mouvement se fit autour d'elle. Chacun discutait, cherchait la cause de cet ordre. Le comte s'approcha. Vous avez tort, madame, car votre refus peut amener des difficultés considérables, non seulement pour vous, mais même pour tous vos compagnons. Il ne faut jamais résister aux gens qui sont les plus forts. Cette démarche, assurément, ne peut présenter aucun danger. C'est sans doute pour quelques formalités oubliées. Tout le monde se joignit à lui. On la pria, on la pressa, on la sermonna, et l'on finit par la convaincre car tous redoutaient les complications qui pourrait résulter d'un coup de tête. Elle dit enfin C'est pour vous que je le fais, bien sûr. La comtesse lui prit la main. Et nous vous en remercions. Elle sortit. On l'attendit pour se mettre à table. Chacun se désolait de n'avoir pas été demandé à la place de cette fille violente et irascible et préparait mentalement des platitudes pour le cas où on l'appellerait à son tour. Mais au bout de dix minutes, elle reparut, soufflant, rouge à suffoquer, exaspérée. Elle balbutiait :« Oh la canaille, la canaille !» Tous s'empressaient pour savoir, mais elle ne dit rien. Et comme le comte insistait, elle répondit avec une grande dignité :« Non, cela ne vous regarde pas. Je ne peux pas parler. » Alors on s'assit autour d'une haute soupière, d'où sortait un parfum de chou. Malgré cette alerte, le souper fut gai. Le cidre était bon, le ménage, l'oiseau et les bonnes sœurs en prirent, par économie. Les autres demandèrent du vin. Cornudet réclama de la bière. Il avait une façon particulière de déboucher la bouteille, de faire mousser le liquide, de le considérer en penchant le verre, qu'il élevait ensuite entre la lampe et son œil pour bien apprécier la couleur. Quand il buvait, sa grande barbe, qui avait gardé la nuance de son breuvage aimé, semblait tressaillir de tendresse. Ses yeux louchaient, pour ne point perdre de vue sa chope, et il avait l'air de remplir l'unique fonction pour laquelle il était né. On eût dit qu'il établissait en son esprit un rapprochement et comme une affinité entre les deux grandes passions qui occupaient toute sa vie, le palais et la révolution. Et assurément, il ne pouvait déguster l'un sans songer à l'autre. Monsieur et Madame follenvie dînaient tout au bout de la table. L'homme râlant comme une locomotive crevée avait trop de tirage dans la poitrine pour pouvoir parler en mangeant. Mais la femme ne se taisait jamais. Elle raconta toutes ses impressions à l'arrivée des Prussiens, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient, les exécrant d'abord parce qu'ils lui coûtaient de l'argent et ensuite parce qu'elle avait deux fils à l'armée. Elle s'adressait surtout à la comtesse. Flatté de causer avec une dame de qualité puis elle baissait la voix pour dire les choses délicates et son mari de temps en temps l'interrompait tu ferais mieux de te taire madame folle envie mais elle n'en tenait aucun compte et continuait oui madame ces gens-là ça ne fait que manger des pommes de terre et du cochon et puis du cochon et des pommes de terre et il ne faut pas croire qu'ils sont propres oh non ils ordurent partout sauf le respect que je vous dois. Et si vous les voyez faire l'exercice pendant des heures et des jours, ils sont là tous dans un champ, et marchent en avant, et marchent en arrière, et tournent par ci, et tournent par là. S'ils cultivaient la terre au moins, ou s'ils travaillaient aux routes dans leur pays. Mais non, madame, ces militaires, ça n'est profitable à personne. Faut il que le pauvre peuple les nourrisse pour n'apprendre rien qu'à massacrer? Je ne suis qu'une vieille femme sans éducation, c'est vrai, mais en les voyant qui s'esquintent le tempérament à piétiner du matin au soir, je me dis Quand il y a des gens qui font tant de découvertes pour être utiles, faut-il que d'autres se donnent tant de mal pour être nuisibles Vraiment, n'est-ce pas une abomination de tuer des gens, qu'ils soient prussiens, ou bien anglais, ou bien polonais, ou bien français si l'on se revenge sur quelqu'un qui vous a fait tort, c'est mal, puisqu'on vous condamne. Mais quand on extermine nos garçons, comme du gibier, avec des fusils, c'est donc bien, puisqu'on donne des décorations à celui qui en détruit le plus. Non, voyez vous, je ne comprendrai jamais ça. Cornudet éleva la voix. La guerre est une barbarie quand on attaque un voisin paisible c'est un devoir sacré quand on défend la patrie. La vieille femme baissa la tête. Oui, quand on se défend, c'est autre chose. Mais si l'on ne devrait pas plutôt tuer tous les rois qui font ça pour leur plaisir L'œil de Cornudet s'enflamma. Bravo, citoyenne dit-il. M. Carré Lamadon réfléchissait profondément. Bien qu'il fût fanatique des illustres capitaines, le bon sens de cette paysanne le faisait songer à l'opulence qu'apporterait, dans un pays tant de bras inoccupés, et par conséquent ruineux, tant de forces qu'on entretient improductives, si on les employait aux grands travaux industriels qu'il faudra des siècles pour achever. Mais l'oiseau, quittant sa place, alla causer tout bas avec l'aubergiste. Le gros homme riait, toussait, crachait. Son énorme ventre sautillait de joie aux plaisanteries de son voisin, et il lui acheta six feuillettes de Bordeaux pour le printemps, quand les Prussiens seraient partis. Le souper à peine achevé, comme on était brisé de fatigue, on se coucha. Cependant, l'oiseau, qui avait observé les choses, fit mettre au lit son épouse, puis colla tantôt son oreille et tantôt son œil au trou de la serrure, pour tâcher de découvrir ce qu'il appelait LES MYSTÈRES DU CORRIDOR Au bout d'une heure environ, il entendit un frôlement, regarda bien vite et aperçut Boule de Suif qui paraissait plus replète encore sous un peignoir de cachemire bleu bordé de dentelles blanches. Elle tenait un bougeoir à la main et se dirigeait vers le gros numéro tout au fond du couloir. Mais une porte à côté s'entr'ouvrit, et quand elle revint au bout de quelques minutes, Cornudet en bretelle la suivait. Ils parlaient bas, puis ils s'arrêtèrent. Boule de Suif semblait défendre l'entrée de sa chambre avec énergie. Loiseau, malheureusement, n'entendait pas les paroles. Mais à la fin, comme il élevait la voix, il put en saisir quelques-unes. Cornudet insistait avec vivacité. Il disait Voyons, vous êtes bête, qu'est-ce que ça vous fait Elle avait l'air indignée et répondit Non, mon cher, il y a des moments où ces choses-là ne se font pas. Et puis ici, ce serait une honte. Il ne comprenait point, sans doute, et demanda pourquoi. Alors elle s'emporta, élevant encore plus le ton. Pourquoi Vous ne comprenez pas pourquoi Quand il y a des Prussiens dans la maison Dans la chambre à côté, peut-être Il se tut. Cette pudeur patriotique de catin qui ne se laissait point caresser près de l'ennemi, dut réveiller en son cœur sa dignité défaillante. Car après l'avoir seulement embrassé, il regagna sa porte à pas de loup. L'oiseau, très allumé, quitta la serrure, bâtit un entrechat dans sa chambre, mit son madras, souleva le drap sous lequel gisait la dure carcasse de sa compagne qu'il réveilla d'un baiser en murmurant M'aimes-tu, chérie Alors toute la maison devint silencieuse. Mais bientôt s'éleva quelque part, dans une direction indéterminée, qui pouvait être la cave aussi bien que le grenier, un ronflement puissant, monotone, régulier, un bruit sourd et prolongé, avec des tremblements de chaudière sous pression. Monsieur Folle dormait vit dormir. Comme on avait décidé qu'on partirait à huit heures le lendemain, tout le monde se trouva dans la cuisine, mais la voiture, dont la bâche avait un toit de neige, se dressait solitaire au milieu de la cour, sans chevaux et sans conducteur. On chercha en vain celui-ci dans les écuries, dans les fourrages, dans les remises. Alors tous les hommes se résolurent à battre le pays et ils sortirent. Ils se trouvèrent sur la place avec l'église au fond et, des deux côtés, des maisons basses où l'on apercevait des soldats prussiens. Le premier qu'ils virent épluchait des pommes de terre. Le second, plus loin, lavait la boutique du coiffeur. Un autre, barbu jusqu'aux yeux, embrassait un mioche qui pleurait et le berçait sur ses genoux. Pour tâcher de l'apaiser. Et les grosses paysannes, dont les hommes étaient à l'armée de la guerre, indiquaient par signe à leurs vainqueurs obéissants le travail qu'il fallait entreprendre. Fendre du bois, tremper la soupe, moudre le café. Un d'eux-mêmes lavait le linge de son hôtesse, une aïeule toute impotente. Le comte étonné interrogea le bedeau qui sortait du presbytère. Le vieux rat d'église lui répondit. Oh, ceux-là ne sont pas méchants, c'est pas des Prussiens à ce qu'on dit. Ils sont de plus loin, je ne sais pas d'où. Et ils ont tous laissé une femme et des enfants au pays. Ça ne les amuse pas la guerre, allez. Je suis sûre qu'on pleure bien aussi là-bas après les hommes, et ça fournira une fameuse misère chez eux comme chez nous. Ici encore, on n'est pas trop malheureux pour le moment. Parce qu'ils ne font pas de mal et qu'ils travaillent comme s'ils étaient dans leur maison. Voyez vous, monsieur, entre pauvres gens, faut bien qu'on cède. C'est les grands qui font la guerre. Cornudet, indigné de l'entente cordiale établie entre les vainqueurs et les vaincus, se retira, préférant s'enfermer dans l'auberge. Loiseau eut un mot pour rire. Il repeuple. Monsieur Carré l'Amadon eut un mot grave. Il répare. Mais on ne trouvait pas le cocher. À la fin, on le découvrit dans le café du village, Attablé fraternellement avec l'ordonnance de l'officier. Le comte l'interpella. Ne vous avait-on pas donné l'ordre d'atteler pour huit heures Ah bien oui, mais on m'en a donné un autre depuis. Lequel De ne pas atteler du tout. Qui vous a donné cet ordre Ma foi, le commandant prussien. Pourquoi Je n'en sais rien, allez lui demander. On me défend d'atteler, moi je n'attelle pas, voilà. C'est lui-même qui vous a dit cela Non, monsieur, c'est l'aubergiste qui m'a donné l'ordre de sa part. Quand ça Hier soir, comme j'allais me coucher. Les trois hommes rentrèrent fort inquiets. On demanda à monsieur Follenvie, mais la servante répondit que monsieur, à cause de son asthme, ne se levait jamais avant dix heures. Il avait même formellement défendu de le réveiller plus tôt, excepté en cas d'incendie. On voulut voir l'officier, mais cela était impossible absolument. Bien qu'il logeât dans l'auberge, M. Follenvie, seul, était autorisé à lui parler pour les affaires civiles. Alors on attendit. Les femmes remontèrent dans leurs chambres, et des futilités les occupèrent. Cornudet s'installa sous la haute cheminée de la cuisine, où flambait un grand feu. Il se fit apporter là une des petites tables du café. Une canette et il tira sa pipe qui jouissait parmi les démocrates d'une considération presque égale à la sienne, comme si elle avait servi la patrie en servant à cornuder. C'était une superbe pipe en écume admirablement culottée, aussi noire que les dents de son maître, mais parfumée, recourbée, luisante, familière à sa main et complétant sa physionomie. Et il demeura immobile, les yeux tantôt fixés sur la flamme du foyer, tantôt sur la mousse qui couronnait sa chope. Et chaque fois qu'il avait bu, il passait d'un air satisfait ses longs doigts maigres dans ses longs cheveux gras pendant qu'il humait sa moustache frangée d'écume. L'oiseau, sous prétexte de se dégourdir les jambes, alla placer du vin aux débutants du pays. Le comte et le manufacturier se mirent à causer politique. Ils prévoyaient l'avenir de la France. L'un croyait au d'Orléans, l'autre à un sauveur inconnu, un héros qui se révélerait quand tout serait désespéré. Un du Guéclin, une Jeanne d'Arc peut-être, ou un autre Napoléon Ier. Ah, si le prince impérial n'était pas si jeune! Cornudet les écoutant souriait en homme qui sait le mot des destinées. Sa pipe embaumait la cuisine. Comme dix heures sonnaient, M. Follenvie parut. On l'interrogea bien vite. Mais il ne put que répéter deux ou trois fois, sans une variante, ces paroles. L'officier m'a dit comme ça Monsieur Follenvie, vous défendrez qu'on attelle demain la voiture de ces voyageurs. Je ne veux pas qu'ils partent sans mon ordre. Vous entendez Ça suffit. Alors on voulut voir l'officier. Le comte lui envoya sa carte, où Monsieur Carré Lamadon ajouta son nom et tous ses titres. Le Prussien fit répondre qu'il admettrait. Ces deux hommes à lui parler quand il aurait déjeuné, c'est-à-dire vers une heure. Les dames reparurent et l'on mangea quelque peu malgré l'inquiétude. Boule de Suif semblait malade et prodigieusement troublée. On achevait le café quand l'ordonnance vint chercher ces messieurs. L'oiseau se joignit aux deux premiers, mais comme on essayait d'entraîner Cornudet pour donner plus de solennité à leur démarche, il déclara fièrement qu'il entendait n'avoir jamais aucun rapport avec les Allemands, et il se remit dans sa cheminée, demandant une autre canette. Les trois hommes montèrent et furent introduits dans la plus belle chambre de l'auberge où l'officier les reçut, étendu dans un fauteuil, les pieds sur la cheminée, fumant une longue pipe de porcelaine et enveloppé par une robe de chambre flamboyante, dérobée sans doute dans la demeure abandonnée de quelques bourgeois de mauvais goût. Il ne se leva pas, ne les salua pas, ne les regarda pas. Il présentait un magnifique échantillon de la goujaterie naturelle aux militaires victorieux. Au bout de quelques instants, il dit enfin, « Qu'est-ce que vous foulez ?» Le comte prit la parole. « Nous désirons partir, monsieur. »« Non. »« Oserais-je vous demander la cause de ce refus ?»« Parce que je ne fais pas. » Je vous ferai respectueusement observer, monsieur, que votre général en chef nous a délivré une permission de départ pour gagner Dieppe. Et je ne pense pas que nous ayons rien fait pour mériter vos rigueurs. Je ne fais pas. Voilà tout. Vous pouvez descendre. S'étant inclinés tous les trois, ils se retirèrent. L'après midi fut lamentable. On ne comprenait rien à ce caprice d'Allemand, et les idées les plus singulières troublaient les têtes. Tout le monde se tenait dans la cuisine, et l'on discutait sans fin, imaginant des choses invraisemblables. On voulait peut-être les garder comme otages. Mais dans quel but? Ou les emmener prisonniers? Ou plutôt leur demander une rançon considérable? À cette pensée une panique les affola. Les plus riches étaient les plus épouvantés, se voyant déjà contraints, pour racheter leur vie, de verser des sacs pleins d'or entre les mains de ce soldat insolent. Ils se creusaient la cervelle pour découvrir des mensonges acceptables, dissimuler leurs richesses, se faire passer pour pauvres, très pauvres. Loiseau enleva sa chaîne de montre et la cacha dans sa poche. La nuit qui tombait augmenta les appréhensions. La lampe fut allumée, et comme on avait encore deux heures avant le dîner, Madame Loiseau proposa une partie de trente et un. Ce serait une distraction. On accepta. Cornudet lui-même ayant éteint sa pipe par politesse y prit part. Le comte battit les cartes, donna. Boule de suif avait trente et un d'emblée, et bientôt l'intérêt de la partie apaisa la crainte qui hantait les esprits. Mais Cornudet s'aperçut que le ménage, l'oiseau s'entendait pour tricher. Comme on allait se mettre à table, M. follenvie reparut, et de sa voix grayonnante, il prononça. L'officier prussien fait demander à Mademoiselle Elisabeth Rousset si elle n'a pas encore changé d'avis. Boule de Suif resta debout, toute pâle, puis, devenant subitement cramoisie, elle eut un tel étouffement de colère qu'elle ne pouvait plus parler. Enfin, elle éclata. Vous lui direz à cette crapule, à ce saligaud, à cette charogne de prussien que jamais je ne voudrai. Vous entendez bien Jamais, jamais, jamais Le gros aubergiste sortit. Alors, Boule de Suif fut entourée, interrogée, sollicitée par tout le monde de dévoiler le mystère de sa visite. Elle résista d'abord, mais l'exaspération l'emporta bientôt. Ce qu'il veut Ce qu'il veut Il veut coucher avec moi cria-t-elle. Personne ne se choqua du mot. Tant l'indignation fut vive, Cornudet brisa sa chope en la reposant violemment sur la table. C'était une clameur de réprobation contre ce soudard ignoble, un souffle de colère une union de tous pour la résistance comme si l'on eût demandé à chacun une partie du sacrifice exigé d'elle le comte déclara avec dégoût que ces gens-là se conduisaient à la façon des anciens barbares les femmes surtout témoignèrent à boule de suif une commisération énergique et caressante les bonnes sœurs, qui ne se montraient qu'au repas avaient baissé la tête et ne disaient rien on dîna néanmoins lorsque la première fureur fut apaisée, mais on parla peu, on songeait. Les dames se retirèrent de bonne heure, et les hommes, tout en fumant, organisèrent un écarté auquel fut convié M. Follenvie, qu'on avait l'intention d'interroger habilement sur les moyens à employer pour vaincre la résistance de l'officier. Mais il ne songeait qu'à ses cartes, sans rien écouter, sans rien répondre, et il répétait sans cesse Au jeu, messieurs, au jeu son attention était si tendue qu'il en oubliait de cracher, ce qui lui mettait parfois des points d'orgue dans la poitrine. Ses poumons sifflants donnaient toute la gamme de l'asthme, depuis les notes graves et profondes jusqu'aux enrouements aigus des jeunes coqs essayant de chanter. Il refusa même de monter quand sa femme, qui tombait de sommeil, vint le chercher. Alors elle partit toute seule, car elle était du matin, toujours levée avant le soleil tandis que son homme était du soir toujours prêt à passer la nuit avec des amis. Il lui cria. Tu placeras mon lait de poule devant le feu. Et se remit à sa partie. Quand on vit bien qu'on n'en pourrait rien tirer, on déclara qu'il était temps de s'en aller, et chacun gagna son lit. On se leva encore d'assez bonne heure le lendemain, avec un espoir indéterminé, un désir plus grand de s'en aller, une terreur du jour à passer dans cette horrible petite auberge. Hélas, les chevaux restaient à l'écurie, le cocher demeurait invisible. On alla, par désœuvrement, tourner autour de la voiture. Le déjeuner fut bien triste, et il s'était produit comme un refroidissement vis-à-vis -vis de boules de suif, car la nuit qui porte conseil avait un peu modifié les jugements. On en voulait presque à cette fille maintenant de n'avoir pas été trouvé secrètement le prussien, afin de ménager au réveil une bonne surprise à ses compagnons. Quoi de plus simple qu'il eût su d'ailleurs elle aurait pu sauver les apparences en faisant dire à l'officier qu'elle prenait en pitié leur détresse. Pour elle, ça avait si peu d'importance. Mais personne n'avouait encore ses pensées. Dans l'après midi, comme on s'ennuyait à périr, le comte proposa de faire une promenade aux alentours du village. Chacun s'enveloppa avec soin, et la petite société partit, à l'exception de Cornudet, qui préférait rester près du feu, et des bonnes sœurs qui passaient leur journée dans l'église ou chez le curé. Le froid plus intense de jour en jour piquait cruellement le nez et les oreilles. Les pieds devenaient si douloureux que chaque pas était une souffrance. Et lorsque la campagne se découvrit, elle leur apparut si effroyablement lugubre sous cette blancheur illimitée que tout le monde aussitôt retourna l'âme glacée et le cœur serré. Les quatre femmes marchaient devant. Les trois hommes suivaient, un peu derrière. L'oiseau, qui comprenait la situation, demanda tout à coup si cette garce-là allait les faire rester longtemps encore dans un pareil endroit. Le comte, toujours courtois, dit qu'on ne pouvait exiger d'une femme un sacrifice aussi pénible et qu'il devait venir d'elle-même. Monsieur Carré-Lamadon remarqua que si les Français faisaient, comme il en était question, un retour offensif par Dieppe, la rencontre ne pourrait avoir lieu qu'à Tôte. Cette réflexion rendit les deux autres soucieux. Si l'on se sauvait à pied, dit Loiseau. Le comte haussa les épaules. Y songez vous, dans cette neige, avec nos femmes? Et puis nous serions tout de suite poursuivis, rattrapés en dix minutes, et ramenés prisonniers à la merci des soldats. C'était vrai, on se tut. Les dames parlaient toilettes, mais une certaine contrainte semblait les désunir. Tout à coup, au bout de la rue, l'officier parut. Sur la neige qui fermait l'horizon, il profilait sa grande taille de guêpe en uniforme et marchait, les genoux écartés, de ce mouvement particulier aux militaires qui s'efforcent de ne point maculer leurs bottes soigneusement cirées. Il s'inclina en passant près des dames, et regarda dédaigneusement les hommes qui eurent, du reste, la dignité de ne se point découvrir, bien que Loiseau ébauchât un geste pour retirer sa coiffure. Boule de Suif était devenue rouge jusqu'aux oreilles, et les trois femmes mariées ressentaient une grande humiliation d'être ainsi rencontrées par ce soldat dans la compagnie de cette fille qu'il avait si cavalièrement traitée. Alors on parla de lui, de sa tournure, de son visage. Madame Carré-Lamadon, qui avait connu beaucoup d'officiers et qui les jugeait en connaisseurs, trouvait celui-là pas mal du tout. Elle regrettait même qu'il ne fût pas français, parce qu'il ferait un fort joli hussard dont toutes les femmes assurément affoleraient. Une fois rentré, on ne sut plus que faire, des paroles aigres furent même échangées à propos de choses insignifiantes. Le dîner silencieux dura peu, et chacun monta se coucher, espérant dormir pour tuer le temps. On descendit le lendemain avec des visages fatigués et des cœurs exaspérés. Les femmes parlaient à peine à boule de suif. Une cloche tinta, c'était pour un baptême. La grosse fille avait un enfant élevé chez des paysans d'Yvetot. Elle ne le voyait pas une fois l'an. Et n'y songeait jamais, mais la pensée de celui qu'on allait baptiser lui jeta au cœur une tendresse subite et violente pour le sien, et elle voulut absolument assister à la cérémonie. Aussitôt qu'elle fut partie, tout le monde se regarda, puis on rapprocha les chaises, car on sentait bien qu'à la fin, il fallait décider quelque chose. Loiseau eut une inspiration, il était d'avis de proposer à l'officier de garder Boule de Suif toute seule et de laisser partir les autres. M. Follenvie se chargea encore de la commission, mais il redescendit presque aussitôt. L'Allemand, qui connaissait la nature humaine, l'avait mise à la porte. Il prétendait retenir tout le monde tant que son désir ne serait pas satisfait. Alors le tempérament populacier de Madame Loiseau éclata. Nous n'allons pourtant pas mourir de vieillesse ici. Puisque c'est son métier à cette gueuse de faire ça avec tous les hommes, je trouve qu'elle n'a pas le droit de refuser l'un plutôt que l'autre. Je vous demande un peu. Ça a pris tout ce qu'elle a trouvé dans Rouen, même des cochers. Oui, madame, le cocher de la préfecture. Je le sais bien, moi. Il achète son vin à la maison. Et aujourd'hui, qu'il s'agit de nous tirer d'embarras, elle fait la mijaurée, cette morveuse. Moi, je trouve qu'il se conduit très bien, cet officier. Il est peut-être privé depuis longtemps. Et nous étions là trois qu'il aurait sans doute préféré. Mais non, il se contente de celle à tout le monde. Il respecte les femmes mariées. Songez donc, il est le maître. Il n'avait qu'à dire Je veux. Et il pouvait nous prendre de force avec ses soldats. Les deux femmes eurent un petit frisson. Les yeux de la jolie Madame Carré-Lamadon brillaient et elle était un peu pâle, comme si elle se sentait déjà prise de force par l'officier. Les hommes qui discutaient à l'écart se rapprochèrent. L'oiseau furibond voulait livrer cette misérable pieds et poings liés à l'ennemi. Mais le comte, issu de trois générations d'ambassadeurs et doué d'un physique de diplomate, était partisan de l'habileté. Il faudrait la décider, dit il. Alors on conspira. Les femmes se serrèrent, le ton de la voix fut baissé, et la discussion devint générale, chacun donnant son avis. C'était fort convenable du reste. Ces dames surtout trouvaient des délicatesses, des tournures, des subtilités d'expression charmantes pour dire les choses les plus scabreuses. Un étranger n'aurait rien compris tant les précautions du langage étaient observées mais la légère tranche de pudeur dont est bardée toute femme du monde, ne recouvrant que la surface, elle s'épanouissait dans cette aventure polissonne, s'amusait follement au fond, se sentant dans leur élément, tripotant de l'amour avec la sensualité d'un cuisinier gourmand qui prépare le souper d'un autre. La gaieté revenait d'elle-même, tant l'histoire leur semblait drôle à la fin. Le comte trouva des plaisanteries un peu risquées, mais si bien dites qu'elles faisaient sourire. À son tour, l'oiseau lâcha quelques grivoiseries plus raides, dont on ne blessa point, et la pensée brutalement exprimée par sa femme dominait tous les esprits. Puisque c'est son métier à cette fille, pourquoi refuserait-elle celui-là plus qu'un autre? La gentille Madame Carré Lamadon semblait même penser qu'à sa place elle refuserait celui-là moins qu'un autre. On prépara longuement le blocus, comme pour une forteresse investie. Chacun convint du rôle qu'il jouerait. Des arguments dont il s'appuierait, des manœuvres qu'il devrait exécuter. On régla le plan des attaques, les ruses à employer et les surprises de l'assaut, pour forcer cette citadelle vivante à recevoir l'ennemi dans la place. Cornudet cependant restait à l'écart, complètement étranger à cette affaire. Une attention si profonde tendait les esprits, qu'on n'entendit point rentrer boule de suif. Mais le comte souffla un léger Chut, qui fit relever tous les yeux. Elle était là. On se tut brusquement. Et un certain embarras empêcha d'abord de lui parler. La comtesse, plus assouplie que les autres, aux duplicités des salons, l'interrogea. Était-ce amusant ce baptême La grosse fille, encore émue, raconta tout, et les figures et les attitudes et l'aspect même de l'église. Elle ajouta C'est si bon de prier quelquefois. Cependant, jusqu'au déjeuner, ces dames se contentèrent d'être aimables avec elle pour augmenter sa confiance et sa docilité à leurs conseils. Aussitôt à table, on commença les approches. Ce fut d'abord une conversation vague sur le dévouement. On cita des exemples anciens. Judith et Holoferne, puis sans aucune raison Lucrèce et Sextus, Cléopâtre faisant passer par sa couche tous les généraux ennemis et les réduisant à des servilités d'esclaves. Alors se déroula une histoire fantaisiste, éclose dans l'imagination de ces millionnaires ignorants où les citoyennes de Rome allaient endormir à Capoue Hannibal entre leurs bras et avec lui ses lieutenants et les phalanges des mercenaires. On cita toutes les femmes qui ont arrêté des conquérants, fait de leur corps un champ de bataille, un moyen de dominer, une arme, qui ont vaincu par leurs caresses héroïques des êtres hideux ou détestés et sacrifié leur chasteté à la vengeance et au dévouement. On parla même en termes voilés de cette anglaise de grande famille qui s'était laissée inoculer une horrible et contagieuse maladie pour la transmettre à Bonaparte, sauvée miraculeusement par une faiblesse subite à l'heure du rendez-vous fatal. Et tout cela était raconté d'une façon convenable et modérée, où parfois éclatait un enthousiasme voulu propre à exciter l'émulation. On aurait pu croire à la fin que le seul rôle de la femme ici-bas était un perpétuel sacrifice de sa personne. Un abandon continu aux caprices des soldatesques. Les deux bonnes sœurs ne semblaient point entendre, perdues en des pensées profondes. Boule de suif ne disait rien. Pendant toute l'après-midi, on la laissa réfléchir. Mais au lieu de l'appeler madame, comme on avait fait jusque-là, on lui disait simplement mademoiselle, sans que personne sût bien pourquoi. Comme si l'on avait voulu la faire descendre d'un degré dans l'estime qu'elle avait escaladée, lui faire sentir sa situation honteuse. Au moment où l'on servit le potage, M. follenvie reparut, répétant sa phrase de la veille. L'officier prussien fait demander à Mademoiselle Elisabeth Rousset si elle n'a point encore changé d'avis. Boule de Suif répondit sèchement Non, monsieur. Mais au dîner, la coalition faiblit. L'oiseau eut trois phrases malheureuses. Chacun se battait les flancs pour découvrir des exemples nouveaux et ne trouvait rien. Quand la comtesse, sans préméditation peut-être, éprouvant un vague besoin de rendre hommage à la religion, interrogea la plus âgée des bonnes sœurs sur les grands faits de la vie des saints. Or, beaucoup avaient commis des actes qui seraient des crimes à nos yeux, mais l'Église absout sans peine ces forfaits quand ils sont accomplis pour la gloire de Dieu ou pour le bien du prochain. C'était un argument puissant. La comtesse en profita. Alors, soit par une de ces ententes tacites, de ces complaisances voilées où excelle quiconque porte un habit ecclésiastique, soit simplement par l'effet d'une inintelligence heureuse, d'une secourable bêtise, la vieille religieuse apporta à la conspiration un formidable appui. On la croyait timide, elle se montra hardie, verbeuse, violente. Celle là n'était pas troublée par les tâtonnements de la casuistique. Sa doctrine semblait une barre de fer. Sa foi n'hésitait jamais, sa conscience n'avait point de scrupules. Elle trouvait tout simple le sacrifice d'Abraham, car elle aurait immédiatement tué père et mère sur un ordre venu d'en haut. Et rien, à son avis, ne pouvait déplaire au Seigneur quand l'intention était louable. La comtesse, mettant à profit l'autorité sacrée de sa complice inattendue, lui fit faire comme une paraphrase édifiante de cet axiome de morale La fin justifie les moyens. Elle l'interrogeait. Alors, ma sœur, vous pensez que Dieu accepte toutes les voies et pardonne le fait quand le motif est pur Qui pourrait en douter, madame Une action blâmable en soi devient souvent méritoire par la pensée qui l'inspire. Et elle continuait ainsi, démêlant les volontés de Dieu, prévoyant ses décisions, le faisant s'intéresser à des choses qui, vraiment, ne le regardaient guère. Tout cela était enveloppé, habile, discret. Mais chaque parole de la sainte fille en cornette faisait brèche dans la résistance indignée de la courtisane. Puis, la conversation se détournant un peu, la femme au chapelet pendant parla des maisons de son ordre, de sa supérieure, d'elle-même, et de sa mignonne voisine, la chère sœur Saint Nicéphore. On les avait demandées au Havre pour soigner dans les hôpitaux des centaines de soldats atteints de la petite Vérole. Elle les dépeignit, ces misérables, détailla leur maladie et tandis qu'elles étaient arrêtées en route par les caprices de ce Prussien, un grand nombre de Français pouvaient mourir, qu'elles auraient sauvé peut-être. C'était sa spécialité à elle de soigner les militaires. Elle avait été en Crimée, en Italie, en Autriche, et racontant ses campagnes, elle se révéla tout à coup une de ces religieuses à tambour et à trompette qui semblait faites pour suivre les camps, ramasser des blessés dans les remous des batailles, et mieux qu'un chef dompter d'un mot les grands soudards indisciplinés. Une vraie bonne sœur, rentre en plan, dont la figure ravagée, crevée de trous sans nombre, paraissait une image des dévastations de la guerre. Personne ne dit rien après elle. Tant l'effet semblait excellent. Aussitôt le repas terminé, on remonta bien vite dans les chambres, pour ne descendre le lendemain qu'assez tard dans la matinée. Le déjeuner fut tranquille on donnait à la graine semée la veille le temps de germer et de pousser ses fruits. La comtesse proposa de faire une promenade dans l'après midi. Alors le comte, comme il était convenu, prit le bras de Boule de Suif et demeura derrière les autres avec elle. Il lui parla de ce ton familier paternel, un peu dédaigneux, que les hommes posaient en avec les filles appelant ma chère enfant. La traitant du haut de sa position sociale, de son honorabilité indiscutée, il pénétra tout de suite au vif de la question. Donc vous préférez nous laisser ici, exposés comme vous-même à toutes les violences qui suivraient un échec des troupes prussiennes, plutôt que de consentir à une de ces complaisances que vous avez eues si souvent en votre vie. Boule de Suif ne répondit rien. Il la par la douceur, par le raisonnement, par les sentiments. Il sut rester monsieur le comte tout en se montrant galant quand il le fallut. Complimenteur, aimable enfin. Il exalta le service qu'il leur rendrait, parla de leur reconnaissance, puis soudain la tutoyant gaiement. Eh, tu sais, ma chère, il pourrait se vanter d'avoir goûté d'une jolie fille, comme il n'en trouvera pas beaucoup dans son pays. Boule de Suif ne répondit pas et rejoignit la société. Aussitôt rentrée, elle monta chez elle et ne reparut plus. L'inquiétude était extrême. Qu'allait-elle faire Si elle résistait, quel embarras L'heure du dîner sonna, on l'attendit en vain. M. Follenvie, entrant alors, annonça que Mademoiselle Rousset se sentait indisposée et qu'on pouvait se mettre à table. Tout le monde dressa l'oreille. Le comte s'approcha de l'aubergiste et tout bas Ça y est « Oui. » Par convenance, il ne dit rien à ses compagnons, mais il leur fit seulement un léger signe de la tête. Aussitôt, un grand soupir de soulagement sortit de toutes les poitrines, une allégresse parut sur les visages. L'oiseau cria, « Saperlipopette, je paye du champagne si l'on en trouve dans l'établissement. » Et madame l'oiseau eut une angoisse lorsque le patron revint avec quatre belles bouteilles aux mains. Chacun était devenu subitement communicatif et bruyant. Une joie aigriarde emplissait les cœurs. Le comte parut s'apercevoir que Madame Carré-Lamadon était charmante. Le manufacturier fit des compliments à la comtesse. La conversation fut vive, enjouée, pleine de traits. Tout à coup, l'oiseau, la face anxieuse et levant les bras, hurla. « Silence !» Tout le monde se tut, surpris, presque effrayé déjà. Alors il tendit l'oreille en faisant. Chut! des deux mains. Leva les yeux vers le plafond, écouta de nouveau et reprit, de sa voix naturelle. Rassurez-vous, tout va bien. On hésitait à comprendre, mais bientôt un sourire passa. Au bout d'un quart d'heure, il recommença la même farce, la renouvela souvent dans la soirée. Et il faisait semblant d'interpeller quelqu'un à l'étage au-dessus, en lui donnant des conseils à double sens puisés dans son esprit de commis voyageur. Par moments, il prenait un air triste pour soupirer. Pauvre fille! Ou bien il murmurait entre ses dents d'un air rageur. Dieu de Prussien, va! Quelquefois, au moment où l'on n'y songeait plus, il poussait d'une voix vibrante plusieurs. Assez, assez! et ajoutait comme se parlant à lui-même. Pourvu que nous la revoyions, qu'il ne l'en fasse pas mourir, le misérable! Bien que ces plaisanteries fussent d'un goût déplorable, elles amusaient et ne blessaient personne, car l'indignation dépend des milieux comme le reste, et l'atmosphère qui s'était peu à peu créée autour d'eux était chargée de pensées grivoises. Au dessert, les femmes elles mêmes firent des allusions spirituelles et discrètes. Les regards luisaient, on avait bu beaucoup. Le comte, qui observait même en ses écarts sa grande apparence de gravité, trouva une comparaison fort goûtée sur la fin des hivernages au pôle et la joie des naufragés qui voient s'ouvrir une route vers le sud. L'oiseau, lancé, se leva, un verre de champagne à la main. Je bois à notre délivrance. Tout le monde fut debout, on l'acclamait. Les deux bonnes sœurs, elles-mêmes, sollicitées par ces dames, Consentirent à tremper leurs lèvres dans ce vin mousseux dont elles n'avaient jamais goûté. Elles déclarèrent que cela ressemblait à la limonade gazeuse, mais que c'était plus fin cependant. L'oiseau résuma la situation. C'est malheureux de ne pas avoir de piano, parce qu'on pourrait pincer un quadrille. Cornudet n'avait pas dit un mot. Pas fait un geste, il paraissait même plongé dans ses pensées très graves et tirait parfois d'un geste furieux sa grande barbe qui semblait vouloir allonger encore. Enfin, vers minuit, comme on allait se séparer, l'oiseau, qui titubait, lui tapa soudain sur le ventre et lui dit en bredouillant. Vous n'êtes pas farce, vous, ce soir. Vous ne dites rien, citoyen. Mais Cornudet releva brusquement la tête, et, parcourant la société, d'un regard luisant et terrible. Je vous dis à tous que vous venez de faire une infamie il se leva gagna la porte répéta encore une fois une infamie et disparut cela jeta un froid d'abord loiseau interloqué resta bête mais il reprit son aplomb puis tout à coup se tordit en répétant ils sont trop verts mon vieux ils sont trop verts comme on ne comprenait pas il raconta les mystères du corridor alors il y eut une reprise de gaieté formidable ces dames s'amusaient comme des folles le comte et M. Carré Lamadon pleuraient à force de rire. Ils ne pouvaient croire. Comment Vous êtes sûr Il voulait. Je vous dis que je l'ai vu. Et elle a refusé. Parce que le Prussien était dans la chambre à côté. Pas possible. Je vous le jure. Le comte étouffait. L'industriel se comprimait le ventre à deux mains. L'oiseau continuait. Et vous comprenez, ce soir, il ne la trouve pas drôle, mais pas du tout et tous les trois repartaient malades et soufflés. On se sépara là-dessus, mais Madame Loiseau, qui était de la nature des orties, fit remarquer à son mari, au moment où il se couchait, que cette chipie de petite carré-lamadon avait ri jaune toute la soirée. « Tu sais, les femmes, quand ça en tient pour l'uniforme, qu'il soit français ou bien prussien, ça leur est, ma foi, bien égal. Si ce n'est pas une pitié, Seigneur Dieu et toute la nuit dans l'obscurité du corridor coururent, comme des frémissements, des bruits légers à peine sensibles, pareils à des souffles, des effleurements de pieds nus, d'imperceptibles craquements. Et l'on ne dormit que très tard, assurément, car des filets de lumière glissèrent longtemps sous les portes. Le champagne a de ces effets là. Il trouble, dit on, le sommeil. Le lendemain un clair soleil d'hiver rendait la neige éblouissante. La diligence, attelée enfin, attendait devant la porte tandis qu'une armée de pigeons blancs, rengorgés dans leurs plumes épaisse un œil rose taché au milieu d'un point noir, se promenaient gravement entre les jambes de six chevaux et cherchaient leur vie dans le crottin fumant qu'ils éparpillaient. Le cocher, enveloppé dans sa peau de mouton, grillait une pipe sur le siège, et tous les voyageurs radieux faisaient rapidement empacter des provisions pour le reste du voyage. On n'attendait plus que boule de suif. Elle parut, elle semblait un peu troublée, honteuse, et elle s'avança timidement vers ses compagnons, qui tous, d'un même mouvement, se détournèrent comme s'ils ne l'avaient pas aperçue. Le comte prit avec dignité le bras de sa femme et l'éloigna de ce contact impur. La grosse fille s'arrêta, stupéfaite. Alors, ramassant tout son courage, elle aborda la femme du manufacturier d'un Bonjour, madame, humblement murmuré l'autre fit de la tête seule un petit salut impertinent qu'elle accompagna d'un regard de vertu outragée. Tout le monde semblait affairé, et l'on se tenait loin d'elle comme si elle eût apporté une infection dans ses jupes. Puis on se précipita vers la voiture où elle arriva seule, la dernière, et reprit en silence la place qu'elle avait occupée pendant la première partie de la route. On semblait ne pas la voir, ne pas la connaître, mais madame Loiseau, la considérant de loin avec indignation, dit à mi voix à son mari. Heureusement que je ne suis pas à côté d'elle. La lourde voiture s'ébranla et le voyage recommença. On ne parla point d'abord. Boule de Suif n'osait pas lever les yeux. Elle se sentait en même temps indignée contre tous ses voisins et humiliée d'avoir cédé, souillée par les baisers de ce Prussien entre les bras duquel on l'avait hypocritement jetée mais la comtesse se tournant vers madame Carré-Lamadon, rompit bientôt ce pénible silence. Vous connaissez, je crois, madame d'Etrelles? Oui, c'est une de mes amies. Quelle charmante femme. Ravissante, une vraie nature d'élite, fort instruite d'ailleurs, et artiste jusqu'au bout des doigts. Elle chante à ravir et dessine dans la perfection. Le manufacturier causait avec le comte, et au milieu du fracas des vitres, un mot parfois jaillissait. Coupons, échéance, prime, à terme. L'oiseau qui avait chipé le vieux jeu de cartes de l'auberge, engraissé par cinq ans de frottement sur les tables mal essuyées, attaqua un bésigue avec sa femme. Les bonnes sœurs prirent à leur ceinture le rosaire qui pendait, firent ensemble le signe de la croix et tout à coup leurs lèvres se mirent à remuer vivement, se hâtant de plus en plus, précipitant leurs vagues murmures comme pour une course d'Orémus et de temps en temps elle baisait une médaille, se signait de nouveau, puis recommençait leur marmottement rapide et continu. Cornudet songeait, immobile. Au bout de trois heures de route, Loiseau ramassa ses cartes. Il fait faim, dit il. Alors sa femme atteignit un paquet ficelé, d'où elle fit sortir un morceau de veau froid. Elle le découpa proprement par tranches minces et fermes, et tous deux se mirent à manger. Si nous en faisions autant, dit la comtesse, on y consentit, et elle déballa les provisions préparées pour les deux ménages. C'était dans un de ces vases allongés dont le couvercle porte un lièvre en faïence pour indiquer qu'un lièvre en pâté gît en dessous. Une charcuterie succulente, où de blanches rivières de lard traversaient la chair brune du gibier, mêlée à d'autres viandes hachées fin. Un beau carré de gruyère, apporté dans un journal, gardait imprimé fait divers sur sa pâte onctueuse. Les deux bonnes sœurs développèrent un rond de saucisson qui sentait l'ail. Et Cornudet, plongeant les deux mains en même temps dans les vastes poches de son palto sac tira de l'une quatre durs et de l'autre le croûton d'un pain. Il détacha la coque, la jeta sous ses pieds. Dans la paille et se mit à mordre à même les œufs, faisant tomber sur sa vaste barbe des parcelles de jaune clair qui semblaient là-dedans des étoiles. Boule de Suif, dans la hâte et l'effarement de son lever, n'avait pu songer à rien, et elle regardait exaspérée, suffoquant de rage, tous ces gens qui mangeaient placidement. Une colère tumultueuse la crispa d'abord, et elle ouvrit la bouche pour leur crier leur fée avec un flot d'injures qui lui montait aux lèvres mais elle ne pouvait pas parler tant l'exaspération l'étranglait. Personne ne la regardait ne songeait à elle elle se sentait noyée dans le mépris de ces gredins honnêtes, qu'il avait sacrifiés d'abord, rejetés ensuite, comme une chose malpropre et inutile. Alors elle songea à son grand panier tout plein de bonnes choses qu'ils avaient goulûment dévorées, à ses deux poulets luisants de gelée, à ses pâtés, à ses poires, à ses quatre bouteilles de Bordeaux, et sa fureur tombant soudain, comme une corde trop tendue qui casse, elle se sentit prête à pleurer. Elle fit des efforts terribles, se raidit, avala ses sanglots comme les enfants. Mais les pleurs montaient, luisaient au bord de ses paupières, et bientôt deux grosses larmes se détachant des yeux roulèrent lentement sur ses joues. D'autres les suivirent, plus rapides. Coulant comme les gouttes d'eau qui filtrent d'une roche, et tombant régulièrement sur la courbe rebondie de sa poitrine. Elle restait droite, le regard fixe, la face rigide et pâle, espérant qu'on ne la verrait pas. Mais la comtesse s'en aperçut et prévint son mari d'un signe. Il haussa les épaules, comme pour dire Que voulez-vous Ce n'est pas de ma faute. Madame Loiseau eut un rire muet de triomphe et murmura. Elle pleure sa honte. Les deux bonnes sœurs s'étaient remises à prier après avoir roulé dans un papier le reste de leur saucisson. Alors Cornudet qui digérait ses œufs, étendit ses longues jambes sous la banquette d'en face, se renversa, croisa ses bras, sourit comme un homme qui vient de trouver une bonne farce et se mit à siffloter la Marseillaise. Toutes les figures se rembrunirent. Le chant populaire, assurément, ne plaisait point à ses voisins. Ils devinrent nerveux, agacés, et avaient l'air prêts à hurler comme des chiens qui entendent un orgue de barbarie. Il s'en aperçut, ne s'arrêta plus. Parfois même, il fredonnait les paroles. Amour sacré de la patrie, conduit, soutiens nos braves vengeurs, liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. On fuyait plus vite, la neige étant plus dure, et jusqu'à Dieppe, pendant les longues heures mornes du voyage, à travers les chaos du chemin, par la nuit tombante, puis dans l'obscurité profonde de la voiture, il continua avec une obstination féroce, son sifflement vengeur et monotone, contraignant les esprits las et exaspérés à suivre le chant d'un bout à l'autre, à se rappeler chaque parole qu'ils appliquaient sur chaque mesure. Et boule de suif pleurait toujours, et parfois un sanglot qu'elle n'avait pu retenir passé, entre deux couplets, dans les ténèbres.